Coucou, coucou, yeah, c'est encore moi. Bon, allez, on retourne sur la même mission parce que je voulais vous montrer plusieurs approches en fait. Donc, je voulais vous montrer une approche en phase furtive et l'autre en mode bourrin, ouais, voilà. On fait du bruit, on tire sur tout ce qui bouge. Et donc, pendant ce temps-là, tiens, j'en profite pour un petit peu. Et puis, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, voilà. Je suis pas vraiment, je suis pas prêt là quand même, hein. Ouais, bon, c'est pas grave. Je fais toujours des vidéos improvisées et puis genre, finalement je suis pas prêt du tout. Ouais, c'est ça qui est bon quoi. Bon, alors donc, bah écoutez, je vais vous laisser la surprise. Est-ce que je vais utiliser une approche bourrine, furtive? On va voir ça. Donc d'entrée, quand vous recommencez le jeu, comme je vous ai dit, vous avez l'arbalète et le fusil d'assaut. Ce sont des armes, de toute façon, dès que vous les avez, vous ne pouvez plus, enfin grâce à la relique hein, qu'on a justement acquise en fonction des survivants qu'on a réussi à garder quoi jusqu'au bout, l'arbalète et le fusil d'assaut, on ne peut pas les transférer dans l'inventaire du véhicule. Voilà, une chose à savoir quand même. Donc, qu'est-ce que je vais garder? Du coup, l'arbalète, il y a combien de carreaux? Il y a ça, ouais. Fusil d'assaut, machin, nan nan nan. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Un revolver, ouais. Munition de fusil, munition de pistolet, d'accord. Et munition de fusil à pompe. D'accord. On n'a pas beaucoup d'armes à feu là en fait. Bon, de toute façon, le fusil d'assaut il suffira amplement. Si jamais je veux passer en mode bourrin, bah, je sais pas, je vais voir en fonction du truc. Boisson énergétique machin, nanana. Ouais, ça je vais les garder parce que ça peut être vite utile, surtout. Ouais, voilà. Donc, bon, allez, on va partir comme ça. C'est parti. Hop! On va zapper ça parce que il m'agace et puis je connais le truc par cœur. Pas vous, enfin pour ceux qui l'ont pas fait, mais bon. Ouais, voilà. Donc on a dit. Allez, c'est parti. On a dit mode bourrin. Donc voilà. Comment je veux dire? Ça y est, je bafouille encore comme un abruti. Il y a un rôdeur, il y a qui que ce soit, je le plombe. Allez, c'est parti. Et c'est parti, revolver. Nickel, voilà. Hop, c'est parti. Allez, hop. Waouh, je transpire, c'est génial. Bon, donc, du coup, qui dit bourrin dit aussi bah, j'utilise la lampe à foison. Voilà. Et puis, on va faire du bruit, quoi. Hein? Ok, il n'y a rien, il y a quelqu'un, non, il n'y a personne, c'est parti. Ouais, le mec il court, il veut faire un speedrun. Non, peut-être pas quand même. Ah ouais, donc là il y a le script, donc je suis obligé de le... Vas-y, viens, voilà, tac, salut! Donc aussitôt dit, aussitôt fait. Ça c'est bon, il y avait quoi déjà là-bas au fait? Ah bah oui, c'est vrai. Attends. Poum! Là, comme ça. Rideau. Alors, ensuite, on a une grenade. Dommage, parce que la dernière fois, il y en avait deux. Donc, il n'y en a qu'une seule. Ouais, c'est ça, il n'y en a qu'une seule. C'est un peu dommage, parce que je voulais en utiliser un peu plus, moi. Mais bon. Les carreaux, bah écoute, non, 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 non. On va prendre une mission de fusil à pompe parce qu'on peut en récupérer. Un deuxième revolver, comme ça fera plus de munitions. Une caisse de fusil d'assaut, ça marche.
Inventaire plein recharge, munitions de fusil. Alors, le fusil, je crois qu'on n'en trouve pas ici de fusil, donc du coup je m'en fous un peu. La fusée de détresse, ben ouais, mine de Non, rien. non, non, non. Ouais, mais la fusée de détresse, justement, ça peut être utile quand même pour faire un petit. Ouais. Ouais, c'est bon, je fais tomber un revolver, puis je prends la fusée. Non, ça, honnêtement, la fusée de détresse, ça me sera quand même utile, quoi. Puis je me demande si je vais pas en prendre une deuxième, quand même. Il y en a une, normalement, vers... Bah, si vous avez suivi les anciennes vidéos de la même mission, il y a une fusée de détresse, normalement, à récupérer vers... Bah, je crois que c'est le garage. Garage de voiture, des fouilles, justement. C'est pas là, non? Ah, si, c'est là. Ouais, voilà. Le mec qui connaît par cœur le truc, quoi. Non, et puis en plus, il y a un connard derrière, là. Donc, non, mais il y a jamais. C'est aléatoire ce jeu-là, quand même, parce que vous voyez le coup des grenades. Bon, c'est ça que j'aime bien aussi, quand même, dans ce jeu-là. Des petits trucs comme ça qui sont aléatoires. Là, par exemple, t'as qu'un seul baril d'essence. Bon, là, on va quand même laisser. Pourquoi je me suis mis accroupi? J'en sais rien. Oh, couillon! Tu te réveilles? Hey Jean-Jacques! Tac! Ah bon sang, c'est pas possible! Mais pourquoi tu courais? Mais pourquoi tu courais enfin? Non, il faut voir. Non, c'est pas possible. Non, tu disparais! Oh non! Oui, c'est vrai, c'est un défaut du jeu, ça, les cadavres disparaissent. Ah, c'est pas possible! Non, t'as tué Daniel! Oh non! Bon, en même temps, tonton Daniel. Ouais, vu la gueule que t'avais, je crois que je vais pas t'en regretter. Bon, c'est pas grave. Alors, munitions de fusée. Ouais, ça va, ça va. Ouais, j'ai dit fusée de détresse, j'allais récupérer celle-ci. Et lui, il est mort. Donc, ok, ça c'est bon. Ensuite, bah voilà. Ok. Ouais. Ah bah non, c'est vrai qu'il faut aller parler à l'autre con. Yeah, man. Hop! Hey, immediate attention. Non? Looking for my jets and working ride. T'as même pas le buter ce con-là, c'est une Give me mythique. Mais description. t'y crois pas, toi, hein? C'est pareil, ça. You've been watch yourself Yes! everywhere. Allez, c'est I parti. lost a man when I was in the station. Allez. Can't be too careful. Ah, putain, ferme-la, cette porte. Bon, là, c'est bon. Tac, tac. Et on ferme même pas la porte, comme ça on verra s'il y a un peu plus de zombies. Pas de discrétion, on a dit! Là! Ouais, c'est ça que je voulais. Ah bah voilà, j'ai rameuté le quartier, quoi. Bah voilà. Voilà. Ah oui, mais bon. Alors, attends. Ah. La fusée de détresse, ça marche? Ou attends. Voilà, la grenade. Il y en a assez ou pas? Et voilà le travail. Bon, il n'y avait qu'une grenade, mais ça en valait la peine. Mode bourrin les gars ou pas? Ah bah oui! Oh la putain! Ah bah oui! Ah bah forcément, il y a un moment donné, c'est que tu t'en prends plein la gueule quoi! Mais c'est carrément le mode troupeau là! Eh ben! On va peut-être monter sur la voiture quand même. Mine de rien, c'est pas mal ça le coup de la bagnole.
Bon, par contre, j'ai plus trop de munitions, hein, quand même. Hein. Ah, ça fait chier. On va essayer de pas trop gaspiller de balles parce que. Ouais, Jacqueline, quoi. Putain, il fallait que tu te ramènes encore. Oh là là, c'est pas grave, mais quel poète que. Ah, salut, Barnabé. Daniel. Ouais, Daniel, t'avais une gueule de femme. Bon, ça se trouve, c'était peut-être même bien une gonzesse, hein. Ah, Jeannot. Et hop, salut. Alors, il y a encore la musique, c'est-à-dire qu'il y a des cons, non? Ah non, il vient de s'arrêter. Hey, yo. Merde. Ok, ça marche. Ah, attends, deux secondes, j'arrive. Voilà. Alors c'est parti, mon kiki, ta ta pa la pa pa. Attends, normalement, il y a un con qui est là. C'est pas vrai d'être un boulet pareil. Là. Petite balle en plus de fusée à pompe, ouais, ça pourrait être utile, je pense. Les carreaux, oui, non, non, c'est bon. Le marteau, autant d'habitude, je prends les flèches, mais là, t'es morte ou pas? Ok. D'habitude, je vais jamais faire un tour derrière, comme ça, ça vous permet de voir un peu, comme quoi, y a rien d'intéressant, en fait, voilà. Mais bon. Puis on va sortir par le côté au lieu de sortir par devant. Mais qui c'est qui gueule comme ça, comme une merde? Allez, viens donc, je fais du bruit, viens! Allez, on se motive les gars maintenant! Allez, faut venir là! J'ai buté tous les cons de la zone! Voilà! Temps de réaction d'un kiwi. Enfin, en même temps, un kiwi. Ah! Ça, c'est quand même par contre intéressant, ça. C'est pas mal. Alors, normalement, ici, si je dis pas de conneries, il doit y avoir. Voilà. Boisson énergétique. Ça pourra toujours servir pour plus tard. Et là, on a deux balles de fusil à pompe. Ah, petit fusil à canon, ça va être sympa, ça. Oh, ça, une porte qui s'ouvre dans les deux sens. Mort de rire. Mais bon. Non, mais il est tellement défoulant, ce petit jeu, quand même. Qui gueule comme ça? Ah putain, ça respawn. Ou pas, c'est peut-être deux cons qu'on fait le tour comme ça là. Ah putain, mais c'est fermé avec lui. C'est bon, il y avait le cadavre qui gênait. Non. Ça, c'est bien. Là, sans déconner, je peux te dire que là,
Qui sait qui essaie de défoncer la porte? Quand je disais mode bourrin dans le jeu, c'est plutôt un mode genre bah, je suis pas discret quoi, voilà, mais disons qu'on va. Il y a quand même des niveaux où le mode bourrin peut être quand même plus intéressant quoi, je veux dire. Plus intéressant dans le sens où il y aura vraiment des hordes. Voir comme un mode troupeau en fait. Hein, ouais, c'est... Ouais. Bon. Pas des fois des goliots là qui sont. Eh ben Liliane, quand même. Pas possible ça. T'y crois pas toi. Tu travailles ou pas toi, finalement? Non, tu travailles pas toi. Quand même pas gaspiller une balle pour un connard. Ah bah ouais, non, j'en ai plein la gueule maintenant, mais c'est malin ça. Ah non, mais t'y crois pas toi, hein, quand même. Bon. Un petit peu... Ah tiens, c'est quoi ça? C'est pas des balles de... Waouh, munition de fusil, ouais. Voilà. Bon là maintenant je vais garder mes 8 balles restantes. Je vais utiliser peut-être un peu le revolver. Ah ouais, mais attends voir le revolver, qu'est-ce que j'en ai fait tout à l'heure? Où est-ce que je l'ai fait tomber? Faut reconnaître qu'il pourrait m'être utile. Ouais bon, on va montrer quand même un petit coup le revolver quand même, histoire de dire ouais, il y a le revolver quoi. Et c'est d'ailleurs très efficace ce revolver. Bon. Dans le mode troupeau, je crois qu'on m'a vu utiliser le pistolet rapide et puissant. Mais peut-être pas trop le revolver. Eh, quand même, une balle pour deux zombies. Hein. Yeah! Ouais! La vue Ironside est quand même plutôt pas mal. Ah ouais! Hop là! Ici, je m'en rappelle plus. Non, en fait, j'ai ramassé le revolver là tout à l'heure, je m'en souviens, mais je l'ai déposé ailleurs, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. Hein. Je sais que je peux utiliser la touche triangle, mais j'aime bien... Enfin, quand j'ai triangle, la touche Y pour le pack 3-6, mais j'aime bien utiliser l'inventaire pour choisir mon arme. Je sais pas, j'aime bien, c'est une perte de temps, mais d'un autre côté, en même temps, c'est un peu comme si tu faisais une pause, en fait, et comme ça, bon, t'as le temps un peu de réfléchir. Enfin, bon, bref, je trouve que c'est utile, mais... Oh, non, on va laisser ouvert, c'est plus marrant. Foutu les jetons ce qu'on a.
Find anything? Et donc là, bah c'est bien ce que je pensais. La mission est finie. Et voilà, le mode bourrin. Mode bourrin terminé. Si on peut appeler ça bon, un mode bourrin, parce que c'est vrai que, bon, à part la grenade qu'on a fait péter au moins 5-6 d'un coup. Il me semble que j'ai jamais montré les toilettes. Ouais, bon, vous allez me dire quel intérêt, mais ouais, comme ça au moins vous connaîtrez le niveau par cœur. On sait ce qui va se passer de toute façon. Voilà. Voilà, terminé pour ce petit mode bourrin. Bon bah voilà, comme quoi c'est pas, en tout cas pour cette mission là, c'est voilà, c'est ça. En tout cas c'est pas un problème de passer en mode bourrin. Quoi que les autres missions non plus, il y en a qui sont plus difficiles à passer parce qu'il y a beaucoup plus de zombies, il y a des, ouais voilà, il y a des certaines situations où je veux dire bon ben qui sont impardonnables quoi. Il y a certaines missions quand on arrive vers la fin du jeu, je veux dire, bon ben il y a certaines que j'ai voulu passer en bourrin. Qu'en fait j'ai fait une fois moi le jeu en furtif et l'autre en bourrin. J'ai pu me rendre compte comme un peu comme ça, un peu. Je me suis rendu compte des limites en fait du jeu, quoi. Donc les deux sont faisables. Les deux sont faisables, il n'y a pas de problème. Donc en faisant du bruit, etc. Machin, on se fait repérer, c'est clair. Des fois il y a des petits endroits dans les niveaux où ça respawn, pas trop mais un peu, et puis il y a des endroits où ça respawn pas du tout, genre t'as ton fusil d'assaut ou ton revolver, t'extermines tout ce qu'il y a sur la map de la mission, et après il y en a plus un qui revient, hein. C'est, bon, je sais pas, moi je trouve ça bien, voilà, bon. Eh ben écoutez, je vous dis donc, j'ai envie de vous dire à tout de suite, mais voilà, le temps de faire la même mission, mais en mode furtif, voilà. Donc on va, honnêtement, c'est pas faisable d'en tuer aucun, mais bon, le but c'est pas d'en tuer aucun. Le but c'est de, à la rigueur, de tuer les zombies sans se faire repérer ou on va dire sans faire de bruit. Voilà, je répéterai ça pour la prochaine vidéo. Voilà.